Un produit fabriqué en masse, consommé en masse, mais aussi gâché en masse, le yaourt. Chaque jour, plus d'un million de pots de yaourt sont jetés, principalement à cause de la fameuse date limite de consommation. Un yaourt est considéré comme un produit frais. Il dispose donc d'une DLC. Contrairement aux produits avec une DLUO, une fois la date limite de consommation dépassée, le yaourt doit être jeté, car il est périmé, enfin, officiellement. Car vous allez le voir, même après avoir dépassé de plusieurs semaines leur date limite de consommation, la plupart des yaourts peuvent être consommés sans aucun risque pour la santé. Dans cette petite laiterie artisanale installée en Dordogne, on fabrique le pêche à loup, un yaourt au lait pasteurisé. Ici, 2000 pots sortent chaque jour des lignes de production. Paul Richard est le directeur du site. Dis-moi, vous êtes sur quelle fabrication là ? Là, on va commencer du bio-citron. D'accord. Frédéric Pallier, lui, est le monsieur yaourt de chez Pêche à Loup. C'est lui qui maîtrise le processus de fabrication. On va faire l'ensemencement, on va inoculer les ferments, puis on va démarrer la fabrication. Pour faire un yaourt standard, il faut d'abord pasteuriser le lait. Pour ça, il est chauffé à 70 degrés. Une fois débarrassé de ses germes nocifs, on ajoute ce liquide blanc. Ce sont des ferments lactiques, des bactéries bonnes pour l'organisme et nécessaires pour transformer le lait en yaourt. Tu as quelle température, Vincent ? 42,8. 42,8, parfait. Les ferments vont aussi acidifier le lait, ce qui va renforcer sa protection contre le développement de mauvaises bactéries. Les yaourts pourront alors se conserver dans de bonnes conditions. C'est des produits avec quelle date, ça ? Donc on est là ? Là, 18,02. Ah, ok. En DLC. Donc ça fait 32 jours. En France, aucune règle ne fixe la DLC d'un yaourt. C'est l'industriel qui décide lui-même de la durée de vie de son produit et qui en est responsable en cas de problème. Ce qui le pousse souvent à prendre une marge de sécurité. La responsabilité est engagée sur cette date. Et la date, en l'occurrence, c'est un repère de consommation pour le consommateur, mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas consommable, loin s'en faut. Il y a un délai, en fin de compte, de précaution qui est pris pour conserver le produit, et c'est vrai qu'au-delà de la date, le produit est bon, et il y a une tolérance qui fait que quelques jours après, on le conserve dans les mêmes qualités, on le consomme, pardon, dans les mêmes qualités qu'avant la date. L'industriel le reconnaît. Ces yaourts pasteurisés peuvent être mangés plusieurs jours après leur date limite de consommation. Mais combien de temps exactement ? Après nous avoir montré la fabrication des yaourts, les deux directeurs nous emmènent dans l'échantillothèque. Ce sont nos archives. Ici, sont gardés des yaourts périmés afin d'étudier leur évolution dans le temps. Le plus vieux yaourt a été fabriqué il y a 44 jours. Cela fait déjà 12 jours qu'il est censé être périmé. Mais visiblement, il plaît toujours à Frédéric. D'un point de vue visuel, on a un léger exudat de sérum. Au niveau de l'odeur, on a une odeur lactée bien présente. Autrement, j'ai pas de veines de sérum sur les côtés. J'ai pas de rétractation de caillé. Globalement, visuellement, oui, il me paraît conforme. Non seulement l'apparence est conforme, mais en plus, il est bon à manger. Ben moi, je vois pas de différence avec un yaourt qui a la date dépassée ou pas. Hein. Pour moi, il est... Et plus ça, il est très crémeux. Pourquoi vous ne mettez pas 12 jours de plus sur cette date ? Parce qu'il n'est pas dans les critères que l'on apprécie en termes de qualité et que nos consommateurs nous disent apprécier. En plus du critère sanitaire, le goût serait donc pris en compte dans le choix de la DLC. Mais en fait, à la fin de l'interview, le fabricant nous donne un autre paramètre qui cette fois n'a rien à voir avec la qualité du yaourt, un paramètre économique. 32 jours, c'est le temps calculé par l'entreprise pour vendre le plus de yaourt possible en fonction de ses capacités de production. En fait, si je comprends bien, c'est parce que vous avez assez de temps dans ces 32 jours pour écouler tous vos stocks que vous avez ces 32 jours. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est notre c'est le point d'équilibre que l'on attend, en fin de compte,
que le distributeur attend en termes, je dirais, d'écoulement et que nous, on attend en termes de qualité. La durée de vie affichée d'un yaourt n'est donc pas seulement liée à l'aspect sanitaire. Elle tient compte du temps nécessaire aux industriels pour écouler et reconstituer leur stock. En clair, les fabricants de yaourts choisissent à peu près la durée qui les arrange pour en vendre davantage. Et nous allons en avoir la preuve. Lorsqu'il y a nécessité économique, les fabricants vont jusqu'à doubler la durée de cette fameuse DLC. Chez lui, dans son bureau, François Tournemire ne fabrique pas de yaourt. Pourtant, en la matière, il en connaît un rayon. Ancien directeur de grande surface, aujourd'hui, il exporte des yaourts partout dans le monde. Alors, on exporte des yaourts, hein, là, en l'occurrence. Donc, ça, c'est sur Tahiti, ça, c'est sur l'Afrique. Ici, on est sur La Réunion. Donc, voilà des exemples de destinations. Pour des questions de coût, le transport des yaourts vers ces destinations exotiques se fait par bateau. C'est deux fois moins cher que l'avion, mais beaucoup plus long. La durée, ça va de 10 à 30 jours, on peut dire, pour le plus loin, en Nouvelle-Calédonie et autres. Donc, on a besoin effectivement d'avoir une durée de vie de produit qui soit suffisamment longue pour pouvoir être vendu derrière sans difficulté. Pour pouvoir commercialiser les yaourts outre-mer, François Tournemire a donc demandé à ses fournisseurs d'allonger leur date limite de consommation, ce qu'ils ont fait aisément. C'est une livraison qu'on a faite, par exemple, le 8 janvier. Donc le 8 janvier, on avait des dates de produits qui étaient au 24 février. Donc la DLC des produits est bien de 58 jours pour l'ensemble des produits, sauf pour le yaourt nature, c'est 55 jours. 56 jours, c'est la durée de vie la plus courte. Ouais. 55 jours, c'est au moins 25 jours de plus que les DLC que l'on trouve d'ordinaire dans nos supermarchés. Les industriels sont donc bien capables de fabriquer des yaourts qui durent plus longtemps. Pour ceux qu'on a, ils pourraient très bien être fabriqués aussi pour la France et avec des durées de 55 jours. Hein. Les mêmes que nous, il n'y a pas de raison. Quoi. Si ces yaourts à la DLC plus longue étaient vendus en métropole, ils permettraient sans doute de réduire cela. Près de 400 millions de yaourts finissent chaque année à la poubelle, en grande partie à cause d'une date limite de consommation dépassée.